Chasseur-pêcheur du 33, et on se retrouve pour une vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis pas sur ma chaîne, c'est la chaîne de mon pote, donc le chasseur-pêcheur du 33. Donc nous, on a fait une chaîne ensemble, donc c'est les chasseurs-pêcheurs du 33. Donc on va commencer tout de suite par la présentation de mon matériel de pêche. Donc tout d'abord, on commence avec une petite sacoche Capernaum. Ouais, c'est pareil. Donc comme vous pouvez voir, je suis toujours en compagnie de mon pote. Ouais. Avec des petits bonbons en commençant. Ça marche bien pour la pêche. C'est mon matériel. J'ai la sacoche. Alors on a besoin de chez Perfect Pêche. Ouais, basique. Ouais, très basique. Voilà. Voilà, je vais essayer de vous montrer comment ça. Voilà. On va pas le casser quand même. Ouais. Alors après, bon là, j'ai une boîte avec une pince et des lunettes. Hein. Tout basique. Et des lunettes. Les lunettes, ça fait venir les poissons. Ça coupe assez bien. Ça coupe bien, franchement. Ouais. Et une boîte. Donc bien sûr, il y avait mon aussi Mato, il avait un leurre qui voulait présenter. Donc, je vais vous le présenter. Donc c'est un sans droit twist, on peut dire comme ça. De chez Delalande. Voilà. Alors après, on va commencer par ma boîte de pêche. Donc dedans, il y a, pour commencer, 5 centimes. C'est pas mal. Wow. Alors il y a un plomb, il y a deux plombs. Alors j'ai un plomb de 50 grammes. Attendez. Voilà. Un plomb de 100 grammes. Donc, je vais essayer de vous montrer. Il est un peu plus gros celui-là quand même. 100 grammes. Ah, mais ça plante trop ça. Ouais. On va pêcher. Ouais, si t'as, si t'as une écarpe, tu la piques. Tu la piques, mais c'est tout. Après, j'ai une cuillère que. Ben voilà. Hein. Je t'ai donné. Voilà, avec un petit twist au bout. Je sais pas, ça doit marcher. Ça marche bien. Oui, j'ai chopé une perche avec. Ah ouais? Ouais. J'ai chopé un brochet. J'ai chopé un brochet. Un pauvre. Ouais. Dont j'ai eu une attaque qui m'a quand même bien décortiqué l'hameçon. C'était un brochet. Un Gary Yamamoto de chez. Je sais plus où. De chez Gary Yamamoto. Voilà, de Caperlan, oui, de Caperlan. Après, j'ai un shad. Comme ceci, un shad de. Daiwa. Ouais, Daiwa. Le même que le mien. Voilà, exactement. Bon, après, j'ai plusieurs fitness. Je dois avoir 1, 2, 3. 4. Ouais, j'ai 5 fitness. Donc j'en ai 4 petits et j'en ai un grand. Donc je vais vous montrer les petits. Le grand d'abord. Un grand fitness, c'est comme ça. Et voilà, un petit. J'en ai 4. Voilà. Après, j'ai un gros Sandra que je me suis bien fait déchiqueter par un brochet. Moi aussi, c'est pour ça que je l'ai coupé, je l'ai là, refait. Je vous montre. C'est pour ça que moi je l'ai découpé et j'ai refait. Et après j'ai des petits leurres chad voilà. C'est des. Ouais. Après j'ai une frog. Ça marche trop bien. Le black. Ça c'est le top du top. Et après j'ai des hameçons. Texan. J'ai un gamme d'hameçons. C'est bon, c'est. Si j'arrive à attraper. Un tex. Non, j'ai pas un texan, j'en ai deux. T'en as deux? Ouais, j'en ai un grand et un petit. Un moi je crois et un. Non. C'est ce que j'ai acheté à table. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai un hameçon normal. Genre tout basique, quoi. Ouais. Que j'ai utilisé tout à l'heure. Que je t'ai donné. Ouais. Et après, encore 5 centimes. Voilà pour mes affaires de pêche. Donc, juste, je dois avoir encore des trucs dans la poche. Hein. Comme moi, je suis un gros. De toute façon, on fera d'autres oui. Vidéos. Après, voilà, j'ai des agrafes. Grams, graphes comme ça. Je vais essayer de vous montrer correctement. Voilà. Et voilà pour mes affaires de pêche. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, likez et partagez. Et juste une petite annonce que je voulais. On fera une vidéo sur la pêche. Sur ma chaîne YouTube. Enfin, sur la chaîne YouTube de moi et Mathéo, les deux en même temps. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'en fait. On va faire des concours. 100 abonnés. Ou, enfin, pas 100 abonnés, mais. Peut-être 50. 50, ouais, on aura un concours. Et on fera aussi des concours de pêche, des saisons de pêche, des saisons de chasse. Des saisons,
des épisodes, des... Enfin, voilà, quoi. De tout, quoi. Même peut-être une nuit à la pêche, mais... Ça serait... Quand on aura la GoPro. Voilà, merci à la vidéo. J'espère que vous aurez plu. Si vous avez aimé, likez, partagez.